Un de mes anciens salariés revient au sein de mon entreprise. Je vais donc récupérer son ancien profil sur e-collaboratrice et créer son nouveau compte. Tout d'abord, je dois cliquer sur « Gestion » à gauche de mon écran, puis sur « Gestion de l'entreprise ». La liste de l'ensemble de vos salariés actuellement présents dans l'entreprise se trouve sur cette interface. C'est en cochant « Afficher les anciens salariés » qu'ils apparaîtront ensuite dans cette liste en rouge. Afin de réintégrer Louise Daniel, qui ne fait plus partie de l'entreprise, il faut que je lui recrée un contrat. Pour ce faire, je clique sur « Détails du contrat » à droite de l'écran. Son ancien contrat est toujours conservé sur la plateforme. Vous pouvez ajouter un nouveau contrat si ce salarié est amené à revenir au sein de l'entreprise. Le cabinet comptable réalise alors le nouveau contrat nécessaire au retour de votre ancien salarié. Le salarié réapparaît donc dans la liste des salariés présents actuellement dans l'entreprise dès lors que son nouveau contrat débutera.